Hello les guys, bienvenue aujourd'hui, quart de finale. On va jouer face à Liverpool, les guys. Donc, on continue notre épisode, notre aventure sur Ligue des Masters. Oui, je vais mettre l'équipe comme ça. Je me demande quel joueur. Ah non, il est foutu. Franchement, nos attaquants sont fatigués. Je crois que je vais mettre Dembélé à la place de Rafinha. Je vais voir. Pedri, très fatigué. Gavi vient. Frankie de Jong, très fatigué. Sergio Roberto va devoir venir. Ah, tous nos joueurs sont fatigués. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'ils ont couru un marathon. Je ne comprends pas. Je vais regarder si tous nos joueurs, ils ont l'air fatigués. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On dirait qu'ils ont joué. Peut-être qu'ils ont joué. Je le retire. Peut-être qu'ils ont joué des matchs équipe nationale. Je sais pas. Bellerin, il va venir, bien sûr. Koundé. Koundé, je vais pas les laisser juste ici. Je vais plutôt enlever quelqu'un ici. Je vais décider. Je vais dire que je vais enlever Ronald Araújo. Puis je vais mettre Marcos Alonso à la place de Jordi Alba. Ça sera difficile avec une équipe diminuée. Et puis on va faire marquage, réglage de marquage. Arrière latéral qui va revenir. Défense reculée. Je préfère pas faire défense reculée. Je préfère faire marquage rapproché vers Diogo Jota. Parce que j'ai pas envie qu'il soit laissé libre. On va aller au match suivant direct. Attendez, je sauvegarde. Allez, FC Barcelone contre Liverpool, c'est parti. Est-ce que tout, ouais, tout a l'air bien là? On est chaud, les guys, on est chaud. Le FC Barcelone n'a eu que très peu de temps pour préparer ce quart de finale. Mais après tout, c'est le lot de toutes les grandes équipes. Plus on se rapproche du Graal européen, plus les matchs semblent s'enchaîner rapidement. En tout cas, les joueurs ont l'air totalement concentrés sur cette rencontre. Il suffisait tout à l'heure de voir leur regard et leur implication pendant l'échauffement. On va, c'est sûr, vivre tous ensemble un moment exceptionnel. Quelle émotion de voir ce stade rempli jusqu'au dernier siège. Et c'est parti pour la Ligue des Champions. La Champions League, les guys. Face à Liverpool, on les avait déjà battus, on était dans le même groupe. Et on les avait battus chez eux. Ce sera un match très difficile. Il faudra se concentrer. Je me rappelle dans les commentaires, quelqu'un m'avait dit que je laisse trop d'espace. Le jeu n'est pas cheaté en fait. Je laisse beaucoup d'espace à l'adversaire. Qu'il faudrait que je relève mon niveau sur ça. Mais je ne crois pas. Quand je dis que le jeu est cheaté, c'est pas parce que je laisse des espaces. Moi, je dis quand le jeu est cheaté, j'ai envie de dire que il y a des fautes qui doivent pas être sifflées. Parfois, je fais des fautes, mais l'arbitre donne tout le temps l'avantage à l'adversaire quand il y a des fautes. C'est sur cette question que je dis que c'est cheaté. Pas sur le gameplay. Le gameplay, ça va. Bon, parfois, il y a quelques petits bugs, mais c'est surtout les fautes. Je dis que c'est cheaté. C'est parti les guys.
On y va. Est-ce que je me rappelle comment on joue? Ça, je sais pas. Parce que j'ai joué vers une légende. Je crois que vous aurez cet épisode après celle-ci. Bien avant, je me souviens pas. J'ai joué vers une légende tout à l'heure. Et franchement, on a fait des matchs incroyables. Si on l'a, là il y a faute. Voilà, faute. Je crois qu'on peut gagner hein, si on joue calmement. Je vais jouer avec Franck Essier là. Qu'est-ce qu'il fout lui? Et là, c'est le... Ouh, peut-être j'ai mal tiré là. J'ai une occasion là. J'espère que je ne vais pas la regretter. Oui, c'est pour vous dire que mon audio, je l'ai un peu réglé. Parfois, vous entendrez la voix se couper parce que j'ai mis un noise gate pour empêcher... Attention là. Aïe, aïe, aïe. Pour empêcher... Pour empêcher les bruits de bouche et parfois la voix se coupera, donc c'est le seul moyen que j'ai trouvé. En fait, mon micro est trop sensible au bruit de bouche et je sais que ça peut être énervant d'écouter ma langue tourner dans ma bouche, ça doit être dégueulasse. Mais ne vous inquiétez pas, donc malheureusement, je sais que vous n'êtes pas là pour la qualité. Attention, vous êtes surtout là pour le gameplay. Alors, on a failli prendre un but bête là parce que je parle trop. Que j'arrête et que je me concentre. Là, on va essayer de jouer contre Barça. Parce que Barça, aujourd'hui, il joue super bien, en tout cas. Attention. On va passer là. Bellerin. J'aurais dû passer Bellerin. Attention, là, il y avait faute, je crois. Il n'y a pas sifflé. C'est que j'ai dit quand c'est cheaté. Pas que ça là. Voilà, ça s'est très bien récupéré. Ah là 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 là, mais qu'est-ce que... J'ai pas compris. Très bien défendu. Je crois que c'est Virgin Van Dijk. Il a très bien compris. J'ai pas compris. Si on va... Et le waouh, rentré. Ah là 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 là. J'aurais dû enrouler un peu. Parce que là j'étais. On m'a donné une autre astuce de protéger la balle quand on est dans la surface. Quelqu'un me l'a dit. J'ai vu. Vous me donnez beaucoup de conseils. Je lis souvent vos commentaires. Normal parce qu'il n'y en a pas vraiment beaucoup et c'est facile de lire les astuces. Alors je me dis que je vais arrêter une saison, peut-être je vais pas continuer ou bien j'irai dans un autre club parce que je trouve que Barça c'est un peu trop facile. J'ai envie un peu plus de challenge et vous pourrez peut-être me proposer une autre équipe. Sinon, si vous voulez, je peux arrêter Ligue des Masters aussi et ne pas continuer. Et peut-être jouer un autre jeu, je sais pas. Proposer un autre jeu sur la chaîne. Je me dis que j'aimerais jouer des jeux anciens parce que moi, c'est ça mon but. Je n'aime pas jouer les nouveaux jeux tellement parce que premièrement, ils sont très chers. Ça, vous le comprenez, mais aussi, il y a beaucoup de jeux d'anciens jeux que j'ai jamais joué, que je peux découvrir. Ça, c'est... Ah, il avait pris, je n'avais pas su, j'ai cru qu'il n'avait pas pris. Attention, attention, faut pas laisser des espaces comme mon pote me l'a dit. Attention, là, 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 il n'aura pas. Là, il n'aura pas. Faut pas que j'oublie aussi les astuces que j'ai eues. Ah là 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 là. Franchement, là, je joue super mal. Là, c'est pas vraiment l'équipe que je reconnais. Attention. C'est peut-être l'équipe qui a l'air super fatiguée. Là, je vais jouer chez Dembélé parce que je vois qu'elle passe. Ça ne va pas du tout. Non, je voulais pas passer à... Le passer à...
Kessié. Attention. Allez, très bien, récupération. Ça cherche la profondeur. Oh, voici Dembélé. Oh, quelle frappe! Ouais, il est très 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 marqué, Dusan Vlahovic. Première mi-temps, en tout cas, pauvre en occasion. On n'a pas vraiment eu beaucoup d'occasions par une frappe de Dusan Vlahovic. Attention, il va m'avoir, il va m'avoir. Très bien, très bien récupéré. Là, je joue super mal aujourd'hui, je sais pas. Bien, attention. Je joue super mal aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. On dirait que je joue pas. C'est une demi-finale de Champions League, faut pas que je l'oublie. Faut pas que je mets mes chances de côté. Je vais dégager parce que j'ai pas envie de prendre des risques. Qu'on connaît parfois l'IA peut être intelligent. Allez, c'est parti pour la deuxième mi-temps. Et on va essayer notre petite tactique là. Et là c'est à lui. Là, là, là. Très bien défendu de la part du gardien. Waouh! C'est juste impossible de marquer aujourd'hui cette fois-ci. En tout cas, ils ont très bien joué là-bas. Là, ça allait être but. Franchement, je suis marqué de partout. En tout cas, Liverpool ne me laisse pas jouer. Et on est déjà reparti. Je suis sûr qu'on va assister à quelques changements. Ça pourrait modifier le cours de ce match. Pas de centre, pas de quoi, mais allez, on va essayer un corner. On va voir si ça peut. Oui, oui, oui. C'était presque. Dusan Vlahovic, je le vois remplacer Lewandowski pour les saisons à venir. J'espère que dans la vraie vie, c'est comme ça qu'il joue. Parce que peut-être c'est moi qui l'utilise super bien. Là, il m'a fait des matchs. Ça a été vraiment une très bonne recrue. On a acheté seulement un seul joueur cette saison. Dégageant. Sans se poser de questions. Fabinho. Anderson maintenant. Le ballon circule bien. Et essayons de protéger là. Alexander Arnold. Ne pas laisser les espaces ici Fabinho. Parce que. Ah là là, il y a beaucoup d'espace. Il y a beaucoup d'espace là. On va essayer. Franchement, Liverpool. Ouf! Liverpool était chaud là-bas. Il y avait beaucoup d'espace. Je ne sais pas comment ils trouvaient les espaces. J'ai essayé autant que j'ai pu. Dusan Vlahovic, il devait continuer. Je vais remplacer. Je vais mettre Lewandowski. Dusan Vlahovic. Dégageons un peu. Je sens qu'il y a beaucoup de fatigue là. Allez, là je vais mettre. Là je vais mettre Lewandowski. Je vais garder Dembélé un peu. Je vais amener peut-être Pedri. Je vais peut-être amener Pedri là-bas. Et je mettrai Dembélé avec Rafinha. Je change toute l'attaque. Ça fait rien. On va essayer d'attaquer aussi parce que je vois que Fabinho. Ils sont décidés à attaquer. Il choisit la profondeur. Il a mal dosé son geste, dommage. Il faut quand même une sacrée débauche d'énergie pour réaliser ce gros travail de pression. Allez, vas-y Rafinha. Il concède un coup franc. Voilà, c'est coup franc. Il y aura quelques remplacements. Toute l'attaque va être remplacée. Jouer avec Hector Bellerin.
Là, j'ai super mal joué ce coup-là. Attention, faut pas laisser. Là, il y avait de l'espace. Tiens, vraiment beaucoup d'espace là, les guys. Beaucoup d'espace, heureusement. Mais Rafinha, qu'est-ce qu'il fout? Heureusement, heureusement. Ça ne va pas, ça ne va pas, les guys. Ok, on y va, on a récupéré. Voilà, là, on peut. Allez, vas-y, Rafinha. Ouh, ça, c'est un joli centre, mais ils ont bien anticipé Liverpool aussi. J'ai joué, j'ai fait de la merde. Heureusement qu'il a très mal joué aussi. Là, j'ai fait ce qu'il fallait pas faire. Heureusement que lui aussi a fait ce qu'il fallait pas faire aussi. Ouh, ça, c'est une jolie passe. Je n'étais pas prêt à passer à Lewandowski. C'était quelqu'un d'autre que je voulais qu'il passe. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai appuyé haut. Kessié est très fatigué. Je vais mettre Busquets. Là, il va nous aider à récupérer aussi Hector Bellerin. Je vais mettre Koundé tout à l'heure. Pas le laisser jouer comme ça ici. C'est sorti. Non, corner encore. Je vais en profiter pour mettre notre pote Koundé. Peut-être j'aurais dû enlever Marcos Alonso parce que je trouve que lui aussi il joue très mal de ce côté-là. Et Rafinha, il a du jus, il peut y aller. Après. Allez, Marcos Alonso. Non, je voulais. Voilà, Rafinha. Allez, là, il peut y aller. Oh là là. Un centre un peu trop près du gardien là. Bon, si on fait un match nul ici, c'est pas mal aussi. On récupère cette balle. C'est bien, Rafinha. Personne dans le truc. Corner, ça va, ça va. Accélération, toujours. Et on va pas frapper, on va frapper juste un peu fort là. Les cours, 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 cours. On est dans les dernières secondes des arrêts de jeu d'arène. Sergi Roberto. Lewandowski. Il tente sa chance. Ah là là, peut-être j'aurais dû pas frapper. J'aurais dû juste avancer avec Rafinha là. On va faire un bon 0-0 aujourd'hui. Ah, peut-être c'est la chance de marquer là. Je vais mettre. Un peu ici. Ça défend comme ça peut. Ce ballon Et voilà, c'est fini. le coup de sifflet final. Le match est terminé. On va jouer la Liga Real Betis. Après, on jouera Liverpool encore. J'espère qu'on va battre Liverpool. Moi, je m'en fiche de la Liga. On est trop loin en Liga. On est trop derrière, en fait. Et là, je vais me mettre Memphis Depay devant. Je crois que j'ai envie de reposer mes deux attaquants pour Liverpool. Ok, je vais enlever. Je vais mettre Jordi Alba. Je vais reposer. Marcos Alonso. Je mets Hector Bellerin, je le garde. Par contre, je vais reposer. Ok, si je mets Sergi Busquets, je garde mes milieux comme ça. Par contre, bon, je vais les changer après. Ensuite, Christensen peut-être.
Je vais mettre Iñaki Peña pour reposer. Mais attaque. Après, on va jouer contre Betis. On va se retrouver contre Liverpool parce que j'ai envie de faire une vidéo spéciale Liverpool, quoi. Je crois pas que je vais montrer Betis. Et on se retrouve face à Liverpool. Yes, les guys. On vient de juste de terminer le match contre Real Betis. On a gagné, on a battu le Real Betis 3 buts à 1. Et regardez le championnat. On est très très bien classé au championnat. On est deuxième. Le Real Madrid est passé devant l'Atlético. L'Atlético n'a pas tenu. Alors ça sera entre nous et le Real. On va voir le calendrier. Ben, il ne reste plus deux matchs, je crois. Trois matchs. Ah, il reste encore quelques matchs, environ 4 matchs pour la Liga. J'espère qu'on pourra la remporter. Ça sera très difficile vu le Real Madrid et l'Atlético qui nous lâchent pas. Pour le moment, on va jouer contre Liverpool. Et là, je vais faire quelques changements. Voilà, je remets mes joueurs. Ferran Torres, non, il a l'air fatigué. Ferran Torres, il a l'air fini. Si je mettrais, non, je crois que j'allais mettre Araujo, mais il n'est pas chaud. Gérard Piqué revient. Il va jouer avec Eric Garcia. Christensen peut-être aussi. Non, il est fatigué. Franck Deon, tu reviens, bien sûr. Gavi, il joue des matchs juste incroyables, ce joueur. Pedri, je crois que je vais le mettre d'abord à la place de Ferran Torres. Gavi, je le laisse juste là-bas. Caissier. Il est épuisé, Franck Caissier. Je crois que je vais commencer par lui. Après, je mettrai Busquets après. Et là, je mettrai Jules Koundé. Faut pas que je l'oublie. Ce serait bête d'oublier Jules Koundé. Et là, je mets Marcos Alonso. Bien sûr, je l'ai reposé pour ce match. Spécialement pour ce match. Lewandowski, bien sûr. Depay, désolé. Il faut pas que j'oublie. Je suis en train de faire du n'importe quoi là. Je vais monter quelqu'un. Je me dis que je vais monter Ansu Fati. Non, Dusan Vlahovic, c'est mieux. Ce sera un très gros match. Et j'ai failli oublier le gardien. Bien sûr. Faut pas oublier le gardien. Marc Ter Stegen. Il est bien meilleur, même s'il est fatigué. Je sais pas si j'ai oublié un autre joueur. Attendez, je regarde si j'ai pas oublié de joueur. Non, je crois que tout est bon. Je me dis si je mets... Je vais mettre Rafinha à la place de Dembélé. C'est mieux, je trouve. Et c'est parti, les guys. Faut pas que j'oublie aussi. Il faudra... Je vais mettre plutôt sauvegarde automatique. Parce que tout le temps sauvegarder, tout le temps, c'est pas vraiment, c'est fatigant. Allez, c'est parti, on va avancer. On va faire coup d'envoi. Deuxième partie pour ce match mythique Liverpool-Barcelone. J'espère qu'on ne sera pas éliminé, mais même si on est éliminé, franchement, on a fait le bon parcours jusqu'en demi-finale. Attendez, même pas quitter le groupe. On était dans un groupe difficile, je crois. On était avec Liverpool, Tottenham, si je ne me trompe pas. C'était un groupe très difficile. Je me souviens pas quel groupe on était, mais je crois pas que c'était Tottenham. Mais on était dans un groupe difficile et on a réussi à battre. Pour arriver ici, ça a été difficile. Je crois que je me rappelle pas contre quelle équipe on avait joué. Franchement, j'ai un trou de mémoire. Mais on est arrivé jusqu'au penalty, ça je me souviens, c'était très difficile. Et c'est parti, Liverpool. Et le but! Et voilà. Douceur, Lewandowski, les guys. Franchement, merci pour celui qui m'a donné l'astuce de protéger le ballon dans la surface. Ça marche très bien cette technique. Voilà, ça c'était très très bien joué de la part de ces joueurs.
On va revoir tout ça calmement. Regardez, j'ai bien protégé, même si on était pris à... Même si j'étais pris, on était pris à deux. Attendez, je me souviens même pas si j'ai bien fait les trucs. Non, pas réglage de marquage. Ah ouais. Marquage rapproché. Diogo Jota. Faut pas les laisser. Moi, si je veux jouer en attaque, Liverpool joue en attaque. Ça ne sert à rien d'être en défense. Il faut être en défense quand tu vois que c'est les dernières minutes. Mais il est encore très tôt pour jouer défensif. Attention. Voilà, c'est bien De Jong. Là, je vois Lewandowski. Il va y aller. Ah là là, j'étais pris, j'étais pris. Allez, peut-être que je lobe. En tout cas, les passes lobées de Jong sont les meilleures. On va tirer un autre corner. Ouh, ça c'est bien de la part de Franck Essier. Là, je vois Pedri. Et oui! 2 buts à 0. En tout cas, Liverpool aujourd'hui, ils sont pas du tout en forme. Trop de trous derrière. Et on en profite avant qu'ils se réveillent parce que je sais quand ils vont commencer à se réveiller, l'arbitre sera de la partie. Franchement, c'est un très très bon but. En tout cas, ça c'était sur passe de qui Rafinha. J'ai vu un appel, je me suis dit Lewandowski ou bien Pedri, mais Pedri il est mieux placé. Et là je me suis calmé. Faut tout le temps se calmer quand tu es seul face au goal, faut pas courir quand tu es face au goal et ça va entrer. Attention, attention, Liverpool. Faut pas trop célébrer parce qu'ils peuvent venir rapidement. Ce sont les 10 meilleures premières minutes. En tout cas, si c'était bien, si on mettait un troisième but. Je me souviens, comme je l'avais dit, on les avait battu 4 buts. 2 chez eux en plus. Dans le jeu, on dirait que Liverpool n'est pas assez fort. Mais bon, c'est normal parce qu'ils n'ont plus Sadio Mané. Ils sont plus si forts que ça, donc... C'est un peu réaliste même dans la vraie vie, quoi. Attention. Mais je me demande même comment ils sont arrivés jusqu'en demi-finale. Attention, Salah. Ouh. Heureusement, heureusement. Salah a failli nous marquer un but. Voilà. On va essayer de calmer le jeu. Là, je vois Lewandowski, bien sûr. Il va y aller. Ah, il était pris, Lewandowski. Il n'a pas compris que j'allais directement le passer. Voilà, c'est passé très bien, Marcos Alonso. C'est super bien. Attention, protégeant cette balle. C'est bien joué de la part de Piqué. Il a essayé d'y aller seul, mais sans réussite. Dans la profondeur. Il y a peut-être un coup à jouer. Et la Rafinha. J'aurais dû contrôler aussi. On joue super bien. Regardez, là, j'ai avec Lewandowski. J'avais même deux solutions. Peut-être j'aurais dû laisser la balle.
Franchement, il faut qu'on marque un troisième but parce que je sais qu'à la deuxième mi-temps, ils vont venir très très fort et ils peuvent remonter facilement ces joueurs. Ils sont de Hang. En tout cas, il fait un très gros match. Je l'ai reposé pendant 3 matchs environ parce que je sais que j'aurai besoin de lui vers les derniers matchs. En tout cas, je vais filmer presque tous les derniers matchs cette fois-ci parce que chaque match sera important pour cette saison. Oh là là! Mes joueurs sont fatigués. Non, on récupère la balle. Ça, c'est super bien joué en tout cas. Et là, non, je voulais pas passer Lewandowski, mais on peut récupérer peut-être. Je voulais passer Pedri, que je vois qu'il m'a fait un appel là-bas. C'est pas sorti, je croyais. C'était sorti là. Il cherche son coéquipier. Interception au bon moment. Récupère la balle. Il file côté droit. Ah, je vais essayer de gagner un corner là. Le FC Barcelone va je vais faire de l'accélération parce que je vois que les joueurs sont super forts dans cet exercice à Barça. Et c'est la mi-temps 2-0. Très belle con. Là, je vois Lewandowski. Là, il va y aller. Il va y aller, Lewandowski. Et oui, 3 buts à 0. En tout cas, tout va bien. Tout va bien. Là, il y avait une ouverture, une grosse ouverture. Aujourd'hui, bizarrement, je joue super bien. C'est vrai, le premier match, on s'est fait dominer. Mais ce deuxième match, en tout cas, on domine. Regardez. Là, franchement, là, j'ai vu l'ouverture. Je me suis dit, là, l'équipe adverse fait beaucoup d'erreurs. Je crois que c'est parce qu'ils sont en attaque. Il a 3-0. Je crois qu'on est très bien placé. Mais je vais rester en attaque. Je n'ai pas envie d'aller directement en défense. Pour le moment, attention, il continue. Ça ne marche pas. Diogo Jota, il fera pas peur, en tout cas. Celui qui j'ai peur, c'est surtout Mohamed Salah. Attention, attention. Et bien sûr, ça là, premier tir de Liverpool, je crois. C'est leur premier tir. Voilà, on joue super bien pour le moment. C'est en tension. Oui, qu'est-ce que j'ai foutu là? Je sais pas ce que j'ai fait. Là, je ne veux pas les laisser jouer. Là, Rafinha, il est seul là-bas. Rafinha, bien sûr, 4-1 but. Ah là là, là c'est une humiliation, les guys. Liverpool se fait battre 4-0. Bien sûr, nous sommes à Camp Nou et là. Regardez-moi cette course de Rafinha. En tout cas, là, je sentais que mon adversaire ensemble n'avait pas assez de jus. Je me suis dit, ben, j'y vais, hein. Je marque mon seul. Rafinha, il peut tout à fait le faire. Remplacement. Luis Diaz qui entre. Et vu qu'on joue super bien, je me dis que peut-être pourquoi pas jouer un autre match. Je sais. Parce que je m'amuse, franchement. Aïe, 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 aïe. Heureusement, je sors le gardien.
Ah, qu'est-ce qu'il fout le gardien aussi? Maintenant qu'on a gagné, il est en train de faire du n'importe quoi. Bon, il faudra un temps que je pense à remplacer parce que je sens que certains joueurs commencent à manquer de jus comme Jules Koundé, je sens plus. Jules Koundé va sortir. Pedri aussi, je vais le sortir un peu. Bon, je vais laisser les autres ici. C'est quasiment un pressing tout terrain là. C'est exactement ça, Grégoire. C'est ce que font souvent les équipes qui aiment avoir le ballon. Le but est bien sûr de le récupérer aussi vite que possible. Attention. Non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cru qu'il était hors jeu en fait. J'ai fait du n'importe quoi là-bas. J'aurais pu marquer un cinquième but. Franchement, avec les astuces que vous m'avez données, je crois que tout va mieux. Je me suis amélioré dernier temps. Franchement, merci à certains de mes abonnés qui, franchement, m'apprennent de choses. Et bien sûr, le cinquième but. Liverpool est complètement sous le chaos. Je me demande même si on joue professionnel. Je crois que mon niveau est monté. Je vais aller à Superstar peut-être. Parce que là, on domine complètement. Ou bien c'est Liverpool qui est trop faible. Mais ne soyez pas surpris parce que quand on ira en championnat, on va perdre. Là, c'est... Oh là là. Non. Et bien sûr, oh là là, là j'ai... Attendez, je change Lewandowski pour peut-être il aura un standing ovation là. Il est déjà épuisé, il ne sait plus courir là. Si c'était un autre, j'aurais dû le changer avant. Remplacement, il n'a pas eu son truc là. Par contre, Gavi, je vais le changer aussi, je mets Busquets. Peut-être je mets Jordi Alba pour... Non, je préfère mettre Ousmane Dembélé. Les gars, 5-0. Si on gagne pas la Champions League, je sais pas comment on fait. Imaginez-vous, on fait tout ça et puis on perd la finale. Ça serait vraiment... Je me demande même c'est quelle équipe qu'on va jouer. J'ai pas regardé. Dès que je regarde, c'est qui... qui sont dans notre demi-finale. La passe est précise. Non, je voulais pas passer de Jong, je voulais passer de l'autre côté. Allez, c'est merci Busquets. Marcos Alonso est épuisé, de Jong aussi. Bonne interception, il y avait danger. Superbe interception. C'est parti. S'il le trouve, Dusan Vlahovic il va tirer. Aïe aïe aïe. J'ai fait un contrôle très très long là. Ça va être un 6-0 là. C'est vraiment une humiliation. Je crois que je vais augmenter le niveau. Je vais jouer quelques matchs sur professionnel et voir si franchement c'est mon niveau qui a augmenté ou bien. J'ai peur que... Est-ce qu'on joue vraiment professionnel? Je me demande. Mais il y avait même un abonné qui m'avait dit « Tu es assez fort pour ce niveau, il faudrait augmenter. » Surtout, j'avais remarqué que mon niveau avait augmenté quand je gagnais face aux Atlético de Madrid. Mais face au Real, c'est autre chose. Je crois que si je joue Superstar face au Real... Dusan Vlahovic va prendre cette balle, bien sûr. Et le match est terminé. On est qualifié en finale. Doublé de Rafinha. Et je ne me rappelle pas, c'est doublé de Lewandowski, si je ne me trompe pas. Je crois que je me trompe. Je sais pas. C'est Lewandowski qui a marqué le premier but. Puis Lewandowski, le deuxième but.
Et c'est Pedri, en fait, qui a marqué l'autre but. Doublé de Lewandowski et doublé de Rafinha. 5-0. C'est une correction, les guys. Une grosse, grosse correction. 5-0. Ah non, nous sommes en quart de finale. Ah, je croyais que nous étions en demi-finale. Je commençais à me dire pourquoi la saison allait si vite. Eh bien, dans les autres matchs, à ce que je vois, Chelsea est passé. Hein. Quand Chelsea est passé, nous sommes passés. Atlético a battu le Real, ils sont passés. Et bien sûr, je crois que c'est Manchester City qui sont passés. J'espère qu'on n'aura pas Manchester City parce que là, avec Haaland, on va prendre beaucoup de buts. On va jouer un tout dernier match face à Cadix. Ça sera un match bonus. Je me disais que j'allais pas jouer le match bonus et on va voir. Bien sûr, on joue professionnel. Alors, je me demandais, je crois que je vais augmenter le niveau la saison prochaine si je fais une autre saison. Eh bien, on va jouer contre Dix. Attendez, je regarde le calendrier. On va jouer contre. On sera contre Chelsea, heureusement. Donc, on va jouer contre Cadix pour le dernier match. Alors, je vais voir les joueurs qui sont fatigués. Je pense que je vais remplacer le gardien. Je vais mettre Ronald Araújo qui a vraiment besoin de beaucoup de temps de jeu. Stenson, il n'est pas chaud du tout. Je le laisse. Allez, Sergio Busquets va entrer. Sergio Roberto, je le laisse entrer aussi. En tout cas, Pedri joue très bien à l'aile. Je vais le garder là-bas. Je vais les garder tous comme ça. J'ai pas envie de trop changer. Donc, j'ai mis la sauvegarde automatique. J'aurai aucun problème. Je ne vais plus trop sauvegarder. Sauvegarder tout le temps, c'est énervant. Allez, on va jouer contre Cadix, donc préparez-vous, il y aura du cheat. On a battu Liverpool 5-0, mais là je suis sûr qu'on va perdre. J'ai l'impression, regarde, ça commence bien. Ah, ils sont en attaque déjà, donc moi aussi on va aller en attaque. Attendez, je fais quelque chose. Marquage rapproché surtout, faut pas que j'oublie. Instruction avancée. Marquage rapproché. Oh, il y en a deux. Il y en a deux, ça servirait à rien. Je vais faire pressing là. Je vais voir ce que ça donne. Là, ils sont deux attaquants. Franchement, ils m'ont eu là. Là, ça serait difficile maintenant. Allez, c'est parti. Là, ça va être chaud, hein. Regardez, ça commence bien. Ça commence. On va calmer le jeu. Qu'est-ce que je fous? Voilà, là c'est pour Lewandowski. Avant, si c'était passé, ça allait peut-être entrer. Donc, ne soyez pas surpris si on ne gagne pas ce match. C'est PS, c'est comme ça, ils veulent rendre réaliste les choses, mais on va se battre et je sais qu'on peut gagner ce match. Et bien sûr, Pedri. J'ai voulu enrouler là-bas. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Merci, Pedri. Ah là là, il y a une bousculade là.
Et ça sera très difficile de marquer un but là. Ce sera pas comme Liverpool, parce que là, contre Liverpool, on a marqué rapidement. Parfois, ce jeu est bizarre. Je vous assure, des matchs où tu t'apprêtes à ce que ça soit difficile et après, ça devient très difficile. Voilà, il y avait hors-jeu. Je crois que c'était hors-jeu de Pedri. Il fallait peut-être que je garde. Non, Lewandowski était aussi hors-jeu. Lewandowski. Young. Oh là là. C'est compliqué. Il faudra maintenant que je m'entraîne aussi à dribbler sur PS. Parce que dribbler sur PS, c'est pas comme FIFA. C'est plus compliqué, plus technique. Attention, Lewandowski. Là, il peut marquer, bien sûr. Oh là là. Peut-être, je crois qu'il fallait que je fasse un crochet. Regardons un peu la situation. J'aurais dû faire un crochet, peut-être parce que l'autre a taclé. J'aurais dû faire un crochet. Ok, la prochaine fois, je n'oublierai pas. Accélération. Je crois que accélération, ça ne marche pas. Je vais mettre le petit train. Est-ce que Lewandowski, est-ce que Busquets va pouvoir l'avoir? Non, il va mal la passer. Là, on a eu deux occasions, je crois, de marquer. À droite. Ça revient dans l'axe. Mais qu'est-ce qu'il fout, Pedri? Allez, on prend en tout cas De Jong. Il joue super bien. Joli geste. Allez, Rafinha. C'est toujours comme ça ce jeu, donc ça devient de plus en plus difficile dès qu'on a joué un match important. C'est normal. Les joueurs se retrouvent souvent fatigués après un voyage. Allez, on récupère cette balle. Là, Lewandowski, je te vois, mais je crois pas que... Allez, allez. Et Lewandowski et le but, très très beau but là. J'ai tiré du côté avec le pied gauche. Je croyais que j'allais rater, mais il a super bien joué. On y est, le compteur est débloqué. C'est tout sauf une surprise de le voir marquer celui-là. Ça fait du bien à son équipe. Eric Garcia. Voilà, là je suis au calme maintenant parce que maintenant on a marqué un but donc. Attention. Là c'était Rafinha et là il allait marquer un autre but. Il a fait un très grand match aussi. Attention Lewandowski, je l'ai vu. Peut-être j'aurais dû lober. Cette passe. Il relance côté droit. Le ballon. Là, c'est le but peut-être. Aïe aïe aïe, j'ai très mal. Et cette balle de la tête. Un but à zéro pour première mi-temps. Parti pour la deuxième mi-temps. On va essayer de marquer un autre but parce que on n'est jamais trop prudent. Et là, ça marche toujours cette technique pour ceux qui la veulent. Et bien sûr, ça va entrer. Tir droit. 2-0, ça ne peut pas. Surtout avec un joueur comme De Jong qui fait des
Très, très belle passe lobée en tout cas. Parce que j'ai remarqué que Busquets n'était pas si fort dans les passes lobées et De Jong il est super fort dans ce genre de passes lobées. Voilà, ça fait 2-0. Donc je crois que mon niveau s'est augmenté. J'ai peur d'aller sur le niveau superstar. J'ai peur. Parce que je me sens pas encore prêt. J'ai envie d'être sûr d'abord que professionnel c'est devenu plus facile pour moi. Parce que même si on gagne, mais là j'ai vraiment peur d'aller dans Superstar. J'ai pas envie de ruiner toute ma carrière d'un coup. Je crois que je vais commencer la saison prochaine. Oh là là. Marcos Alonso, et eh oui. Venez, venez, venez. Là, je vois qu'il est là. C'était un match calme. Je me trouve à rien dire parce que ce match est un peu facile. Les matchs deviennent maintenant faciles, ou bien c'est parce que mon équipe maintenant, je la connais super bien, je sais comment jouer. Je crois que j'irai dans un autre club. What? What? Le gardien, c'est un ninja. Il a sauvé deux fois les guys, deux fois. C'est incroyable. Je crois qu'il voulait pas que je marque un troisième but. Hein. Parfois le jeu fait des choses aussi bizarres, je me demande. Je dis cheater. Je crois que je vais remplacer les joueurs parce que je sens qu'il y a beaucoup de fatigue. De mon côté, déjà Rafinha, il est fini. Aussi, Lewandowski commence à se fatiguer. Ferran Torres, je l'amène. Koundé aussi, il est fini. Bon, je vais choisir après le dernier joueur parce qu'on ne sait jamais. Oui, Pedri, il n'a pas trop joué aujourd'hui, je crois. J'ai pas trop vu. En tout cas, je savais pas que c'était un super ailier. Maintenant que je l'essaie, je vais trop l'utiliser à l'aile. Donc, on aura une demi-finale contre Chelsea. Donc, si j'avais su, je vous aurais montré le match face à. Koundé qui se change en buteur d'un coup. Je crois qu'il faut sortir la balle parce que je n'arrive plus à courir là. Ça se voyait trop ce qu'il allait faire. Le sortir la balle, non, c'était pas sorti. Oh, il me passe la balle. Oh là là, j'ai traîné. Oui, il y avait faute. C'est ma faute à moi, je crois. Il fallait que je lobe. Remplacement. Il va pas passer. Ouh, il a failli m'arracher la balle. J'ai traîné trop avec la balle là. J'avais de l'embarras du choix. Et bien sûr, il va siffler faute l'arbitre. Je vais mettre Gavi à la place de De Jong. De Jong, il a fait un gros match en tout cas. Un très gros match. Je crois que c'est lui qui a passé deux fois, si je me souviens.
Pas. Bon, si c'est pas lui, mais en Champions League, je me souviens qu'il a fait une très jolie passe aussi. Oh, je voulais passer trop loin là. J'ai cru qu'il y avait un trou à faire une passe là. Les Gavi. Ouh. Je crois que les carottes sont cuites là. Ça fait jolie passe là, Dembélé. Dusan Vlahovic va y aller, il va y aller, je le connais. C'est qu'il est fort. Oh, le poteau, le poteau. C'est pas fini. On va siffler. 2-0 les guys. Très gros match. On a gagné, on a gagné. Je crois que ça sera la dernière vidéo. Plutôt dernier match de la vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Écrivez dans les. Mettez quelques commentaires aussi. Ça aide aussi pour le référencement. Conseillez-moi aussi des choses, des trucs, je sais pas. On va voir d'abord le classement avant d'en finir. Le Real toujours devant avec un point. L'Atlético, même point. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao!